parti, Raphaël, qu'est-ce que tu fais de beau là? Je visse la roue, pourquoi faire? On va la souder. Je vais essayer de souder ce train arrière là qui se balade. Allez, c'est parti. On va aller voir la cale là, celle-là. Et la roue, normalement, elle aurait tombé. Est-ce qu'on va pouvoir la sortir? Je sais pas. Voilà, vas-y, décale-la un petit peu par en dessous là. Non, par en dessous, fais-la glisser par en dessous. Voilà, ouais, vas-y. Voilà, voilà, encore, vas-y. Attention les doigts. M'abîme pas, elle est neuve. Vas-y, tire un grand coup là. Voilà, impeccable. Et là, on va aller voir le désastre. Alors là, du coup, c'est cette pièce qui s'est débranchée. Tac, tout ça, tout est pourri là. Il va falloir que je soude ça. Alors, je sais pas comment je vais faire. On va bien trouver une solution. Voilà. C'est là que je vais m'amuser. Alors, en gros, la pièce de support du train arrière, c'est ça. Le reste de la coque, c'est ça. Donc, vous avez bien vu qu'il n'y a plus grand-chose de potable là-dedans. Je ne suis pas riche, hein, je ne suis pas chez moi. Je vais souder des pièces là, en travers. Je ne sais rien comment je vais faire pour que ça tienne. Faut que ça tienne un déplacement. C'est-à-dire, on la monte sur la remorque et on la ramène. C'est tout. Après, je la désosse. Donc voilà, le but du jeu c'est ça, je vais essayer de faire un petit cordon là-dessus pour retenir la coque sur... Et puis après je renforce avec des vis, comme ça. Je pense que ça va le faire. Alors déjà, faut que je sache si j'ai de la masse. Bon, c'est une vidéo sans EPI aujourd'hui, hein, parce que j'ai rien du tout. De ce qui s'est passé. On va essayer de la remettre en route et de la relever complètement. Donc du coup on va essayer de la descendre ce coup-ci. Normalement le train arrière devrait plus bouger. Vas-y, manette en bas. Nickel, le train arrière bouge plus. On va faire une petite montée là. Ah bah nickel, elle peut reprendre la route, elle est neuve. Allez, refais-en une petite là pour la gloire. Vous voyez, elle est quand même bien coupée en deux à cet endroit là. Putain, mais elle va bien. Hein. En fait, la partie hydraulique, elle a été refaite avant que la voiture soit à l'arrêt. Donc la partie hydraulique, elle est de 2017. Donc ça, ça va clairement aller directement sur la VX Sport. Descends là complètement, Raphaël. Parfait. Refais une montée. Peut-être tu vas être un professionnel de la montée de Citroën, toi.
Impeccable, donc la petite réparation de tristesse marche. Est-ce que tu serais pas un expert en mécanique NRC? Je sais pas. Ouais, elle est belle cette auto. Ouais. Allez, attends, on va continuer de la faire tourner. J'ai enlevé la C6, on va essayer de voir comment elle tourne dans le chemin. Là. Ça te fait déjà plus le vieux bruit dans le train arrière? Ouais. Je suis en position haute. Ouais. On va essayer de pas la casser. Bonne touche. Ça, ce que tu devrais faire, c'est. Tu descends et puis tu me regardes faire un tour. D'accord? On ira peut-être faire un tour en rue. Parti. Ce serait pas une BX ça? Il n'est pas mauvais en un seul coup, hein, à chaque fois. Hein. C'est l'arrivée. On se retrouve pour le démontage de la BX. Voilà. Donc comme vous le savez depuis un moment, j'en ai récupéré 4. Celle-là est trop pourrie pour être réparée, donc elle va servir de nom d'organe, le moteur pour la Pinarède, la 205, et puis la face avant, toute la face avant, et l'hydraulique pour la Sport, la Renoir, qui est juste à côté. Et ben on est parti. Et voilà les deux réunis. La donneuse. Et la receuse, donc celle-là, on va refaire un tour vite fait, là. Voilà. La problématique qu'on a, c'est que j'ai déjà redressé toute la face avant. Et vous voyez, il me faut absolument toute cette partie-là. Devant, de l'autre côté, c'est pas mieux. Le capot est cassé.
Et puis les charnières sont pas en bon état non plus. Donc le capot c'était déjà pas le bon sur celle-là. Ouais, le capot, en fait cette partie-là, en fait il avait déjà été changé, je pense une fois. C'était pas un capot de sport. Le capot de sport c'est le capot en fibre et court. Donc c'est celui qu'il y a sur celle-là. Et puis la petite calandre, donc j'ai récupéré déjà celle de celle-là il y a un moment déjà. Et puis voilà. Et ben on va avancer. Aujourd'hui on avance bien sur ces deux-là. Bon, on a dépioté toute la face avant, hein, presque. Maintenant, on va falloir savoir où on coupe. Le problème, c'est que vous voyez, là, ici, là, elle est croustillante. Hein. Donc, moi, ça va tomber. Ce qui m'intéresse, c'est ici, là, par là. On va aller voir sur l'autre. En gros, ce qui m'intéresse, c'est tout ce que j'ai coupé après ça, ici. Et ici, juste le devant. Là. Donc, je vais couper là le long. Faut que j'enlève le bocal quand même, le bocal de LHM. Là. Et ici, je vais essayer de tronçonner au plus proche là. Voilà. À ras le support de batterie. C'est comme ça qu'il faut que je fasse là-bas. Et là, là c'est pas trop mal, mais c'est pareil. Elle est pourrie ici. Elle est pas si belle que ça en fait. Hein. Par contre, la pièce maîtresse qui m'intéresse, le devant, là, il est en parfait état. Voilà, ça, c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, j'ai tout dégagé. Je pense que la meilleure solution pour pouvoir sortir ça proprement, c'est sortir le moteur. Une fois que le moteur est sorti, je peux découper dedans sans problème. Ça ne serait pas le moment de couper trop court ou faire une saloperie et éviter d'en racheter une autre pour regreffer sur celle derrière. Donc actuellement, voilà tout ce que j'ai démonté. Voilà, donc ça, c'est des pièces qui auront... Je vais garder tous les plastiques d'ailes parce que c'est pas forcément en bon état sur la sport. Et là, du coup, je vais récupérer les ferrures, là, ici, qui sont toutes tordues, là, sur celle-là. Et je vais réinstaller, je vais enlever la baie, là. Je vais réinstaller au moins le capot, pour voir, sur celle-ci. Du coup, tant que j'aurai pas tout fait sur l'autre, je m'occuperai pas de celle-là, on est d'accord. Donc, il va falloir que je tronçonne de la même façon. Je pense qu'on est pas mal.
Alors j'ai remonté, on a un provisoire, hein, la baie et le capot avec les charnières. Donc j'ai laissé libre pour permettre le réglage. Donc on est pas mal au niveau des ajustements que j'avais fait. Première fois. Voilà, bon, on voit que le capot, il faut qu'il revienne un peu par comme ça. Voilà. En fait, j'ai serré celui-là et j'ai pas serré celui-là. Il aurait pas fallu que je serre celui-là. Voilà. Dans l'ensemble, je suis pas mal. Bon, ce coup-ci, il faut que je continue à démonter celle-là. Merci, monsieur. Et si tu peux me trouver une douille, une vitre, une clé plate de fraise aussi. Et on a vite passé à m'emmerder. Là, ce qui me semblait, ça m'emmerde. C'est bon. T'en mets pas, regarde, tu viens super les ronds. Bon, s'il y en a toujours qui veulent la refaire, pas de problème. Alors, tiens, on va montrer quelque chose. D'ailleurs, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, les turbodés étaient équipés d'un deuxième réservoir. Voilà, il y a un deuxième petit réservoir ici. Je vais le faire tomber, puis je vais vous montrer. C'est pas cassé en tout cas. C'est bien du travail. Parce que les turbodés, ils les avaient donnés pour une consommation spécifique et du coup, ils avaient rajouté ce petit truc là. Il y a pas mal ce petit réservoir. Ouais. Ouais. Si tu le tombes en panne. Enfin, ça fait partie de la consommation de la voiture. Hein. Ça, c'est tout cool. Hein. Du travail du tout cochon. Oh, regarde, il est tout neuf là. Regarde, côté beau, côté beau, côté moche. Voilà. Un réservoir additionnel d'une BX. Plein de gasoil. Si le gros là, il va se vider. Donc, il est encore beau. Ah, mais t'as une couleur spécifique, quoi. Bon, là, on en est. Elle est toute désossée de dehors presque. L'intérieur, ça a bien commencé. Je suis sorti l'intérieur. Donc, il est plutôt en bon état cet intérieur. Donc, on verra ce qu'on en fait. Je verrai bien ça dans la Pinared. C'est la fin, non? Tu vas voir ton siège. Mon siège? Moi, ouais, j'aurais voulu qu'on regarde l'état de corrosion avancée de cette voiture. Avancée? Parce que je veux bien refaire des voitures. Certains ont dit non, ça se démonte pas le BX et tout. Regarde. Déjà, là, tu rentres là, tu te dis que là, regarde, il y a tout ça. Tu sens la rouille. Toi, tu sens la rouille. Le bruit. Et là, regarde, là, elle est découpée. Ça, c'est, je veux dire, c'est même plus de la tôle, c'est du papier, quoi. On peut l'appeler la cracotte. La cracotte. Ouais. Et là, tu vois, il y avait un trou là. Là, il y avait. Tiens, regarde. Là. Dans ma chaussure à travers. Et magnifique. Et le pire, c'est là. Là. Maintenant qu'elle est bien démontée, là. J'ouvre la porte. Là, je sens que la caisse bouge. Là. Et on a enlevé la moquette tout à l'heure. Hein. Et là, en fait, ça tient. Oh, mais j'avais pas vu le. Ça tient juste par le plancher, en fait. Tu vois si, ouais, non, mais là, c'est parce qu'il y a un mec qui a mis des coups de pioche. Là, tu vois, ça coup tient juste par le plancher ici, toi. Le longeon, c'est ça. Donc la tôle du longeon, il en reste. Oh putain, ouais. Ouais, tu vois, c'est tout mort.
Un peu de mastic, ça se refait, je pense. Ouais, bah, il y avait du mastic. Et là, ici, là, donc à toutes les zones où il y a les sphères, dans les doublures, hein, elle est percée là et là-bas. Et comme tu disais tout à l'heure, on a de la chance parce qu'elle est pourrie à la limite de ce que je cherche. Voilà. Elle était faite pour. Elle est morte. Elle est née morte pour ça. Est-ce que tu crois que je vais la découper en mille morceaux et on essaiera de rouler juste avec le bout de châssis, juste le moteur et un plancher, et le volant. Et un plancher. Ouais. Ouais. Voilà, puis celle-là, bah, du coup, elle est prête pour la greffe. En fait, c'est presque les mêmes couleurs, en fait. Le capot, elle a déjà trouvé le capot de l'autre. C'est bien. Il n'y a plus qu'à. Ça va faire une belle bagnole, au final. Ouais.